for you. Ok, ok, yo les potes, je suis de retour, ça y est, je suis enfin là. Bon, oui, donc oui, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo, je suis de retour, mais voilà, tu comprends l'esprit, là, je suis de retour sur la console, enfin. Donc là, on va parler de pas mal de choses dans cette vidéo, donc je vais structurer le truc pour que vous compreniez bien. Donc là, de base, on se retrouve à MME sur carrière contre des bots. Donc pourquoi est-ce que je suis en privé, pourquoi est-ce que je suis seul? Bah... pourquoi j'ai pas l'ami, hein, voilà, vie de merde. Non, sérieusement, donc voilà, je vais vous parler des différents projets. Alors déjà, ce qu'il faut savoir avant tout, que je vous parle de tout, c'est que je voudrais remercier vraiment Ghostar de m'avoir prêté sa Xbox, et en même temps son compte, parce que bah, ça fait que du coup, moi, ma console, il n'y a plus moins la connecter à internet, et mon compte n'a plus d'Xbox Live. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer sur la Xbox, sur son compte, jusqu'au 10 mars uniquement, d'accord. Après le 10 mars, je repasse sur PS3. Alors pourquoi est-ce que je m'absente de la PS3 pendant autant de temps? C'est parce que j'ai pété ma manette, simplement, dans un excès de rage. Du coup, c'est simple, on va s'en repayer une, et je m'en repaye une le 10, voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir à ce niveau-là, donc... aussi, le gamer tag sera du coup en description si vous voulez m'ajouter un ami, et je compte sur vous pour le faire, les joueurs Xbox, parce que à partir de ce soir, les streams reprennent. Donc, on va faire un stream spécial ce soir, donc pendant je pense 2-3 heures. Donc, je compte sur vous parce que. Bah, what? Oh! Parce que quelque part, ça permettra à certains de passer sur YouTube, et moi, ça m'aiderait à réaliser un trickshot en live. D'ailleurs, du coup, va falloir que je m'entraîne pour ce soir parce que là, niveau shoot, c'est vraiment ignoble. Hein. Je me fais cracher dessus. Tomahawk, non? Non? Oui? Oui, c'est passé. Ok, bon. Alors, donc ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir au niveau d'Xbox PS3. Voilà, donc maintenant, on reprend la stream officiellement. On va reprendre pas mal, même au maximum, les trickshots en live, parce que j'ai remarqué vraiment que c'était ce qui vous est le plus kiffé. Ça, avec les commandes trickshots, donc ça, il y a un nouvel épisode qui va arriver très bientôt, normalement, j'ai bien dit. Mais bon, après, ce qui est compliqué, c'est qu'à partir du moment où on sait plus trop quoi apprendre, parce que vous savez bien, moi je suis pas un joueur complexe, du coup je peux pas me permettre d'apprendre des choses que moi-même je ne maîtrise pas, ça serait complètement con. Donc on verra par rapport au prochain épisode, on le fera peut-être un spécial Modern 3, enfin bon, ça on verra. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Donc là, je vais vous parler souci du projet gaming et du projet manga. Alors qu'est-ce que ça va être? Les projets gaming, je me suis inspiré un petit peu. C'est un petit peu s'inspirer de plusieurs chaînes communautaires en fait. C'est à dire que je vais vous partager, ou plutôt je vais uploader les vidéos de certains youtubeurs qui me les enverront tout simplement. Et ça vous permettra à vous de découvrir déjà des autres têtes, des autres voix, et de découvrir aussi des autres jeux. Par exemple, j'ai déjà des personnes qui sont chaudes à m'envoyer des vidéos sur Counter Strike, sur Minecraft, sur League of Legends. Enfin bref, ça sera à vous de faire votre choix sur ce que vous voulez voir, qui est-ce que vous voulez voir. Je ne vous imposerai personne, hein, ça c'est vous qui décidez. Je vous ai déjà dit 20 millions de fois, c'est votre chaîne, c'est à vous qu'elle appartient, c'est vous qui décidez de son avenir et de comment elle se construit tout simplement. Ensuite, le projet manga et animation, parce que manga et animation c'est pas tout à fait pareil, mais vous comprenez l'esprit. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est manga et animation, enfin bon, vous devez tous voir quand même, c'est tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, voilà, tout ça, tout ce délire là. Alors faut pas confondre par contre avec Bob l'éponge par exemple, tu vois, on confond pas un dessin animé et une animation japonaise, enfin bref, ça on y reviendra plus tard. Donc ça va être quoi le projet? Ça va être tout simplement chaque semaine vous présenter un nouveau manga ou une nouvelle animation qui sera soit un de nos coups de cœur ou quelque chose qu'on va tout prix vous présenter. Donc je ne serai pas tout seul pour faire ça, j'ai déjà pas mal de monde derrière moi, des personnes qui s'y connaissent très très bien au niveau manga et animation, donc des pros, tu vois, enfin... ouais, des pros, voilà, on verra ça plus tard. Donc du coup, ça, j'espère que le projet vous tentera. En tout cas, comme d'hab, hein, vous me laissez votre avis en commentaire. Donc voilà, ça c'est tout, vous me laissez votre avis en commentaire. Et ensuite, on va parler de la dernière chose à savoir sur cette vidéo. Ça se résume en un seul mot, c'est Facebook. Alors, pourquoi Facebook? C'est parce que, les amis, l'heure est grave. Tonton Ellipse est arrivé sur Facebook. Donc oui, je me suis créé un compte hier, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, hier. Et du coup, je vous le laisserai en description, pareil, tout en description, hein. Je mettrai pas le lien parce que je crois que Facebook sécurise tout ce qui est lien, ou je sais pas trop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une page spéciale, c'est tout simplement mon compte perso, donc y a pas de problème, vous m'ajoutez dessus, vous me parlez dessus, y a aucun souci à ce niveau-là, hein. C'est juste que bon, bah là, y a même personne IRL avec. Mais tout simplement, voilà, j'ai vraiment déjà la flemme de me créer une page, et en plus ça me boufferait énormément de temps. Donc c'est simple, hein, je vous mets mon Facebook en description et vous m'ajoutez.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc tout est en description. Ah non, c'est le last. Donc tout est en description. Donc mon Facebook, le Gamertag, le PSN. Tout est disponible donc, dans la description comme d'habitude. Et du coup, juste un dernier message que je voudrais vous passer. C'est simplement pour vous remercier parce que on vient à peine de passer à la barre des 3000 abonnés et on va déjà arriver aux 4000. Je pense qu'on devrait déjà y être dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc je voudrais juste vous remercier vraiment. Mes amours, merci beaucoup pour vous être abonné tout simplement, pour être resté même après mes 5 mois d'absence, vous êtes toujours là. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc j'avais pas eu le temps de faire de vidéo spéciale 3000, donc je le fais ici, je vous remercie ici, je vous dis juste merci les potes, merci d'être toujours là, merci de toujours avoir été là. Et tout simplement, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à très prochainement sur Twitter, sur Facebook, ou à ce soir sur le stream. Voilà, ciao ciao les biatchs.